Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Les titres, le projet de loi des finances exercice 2022 jugé recevable par l'Assemblée nationale. La gratuité de l'enseignement primaire est irrévocable. Le Premier ministre l'a dit ce jeudi devant la représentation nationale lors de la défense du budget exercice 2020. Et puis, 12e prorogation de l'état de siège décrété par les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Le Sénat vient de voter en seconde lecture cette prorogation. Entre-temps, le président du Sénat a clôturé les travaux du premier congrès Sénat-président des assemblées provinciales. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Nouvelle prorogation de l'état de siège décrétée par le chef de l'État. Le caucus des députés ont expliqué au président de la République leur motivation dans la décision de ne plus participer au débat sur la prorogation de l'état de siège. Un reportage de la presse présidentielle. Ils brillent depuis le début de ces mois par leur absence aux plénières de l'Assemblée nationale consacrée à l'examen de la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Ce mercredi dans la soirée, ces députés nationaux de provinces sous état de siège, conduits par le président de l'Assemblée nationale Christophe Mboso Kodiapwanga, ont été reçus à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dès l'entame, ces caucus des députés ont expliqué aux garants du bon fonctionnement des institutions leur motivation dans la décision de ne plus participer au débat sur la prorogation de l'état de siège. Nous faisons appel aux cris de détresse de nos populations qui sont massacrées au quotidien et qui, nous en tant qu'élus, nous ne pouvions que par solidarité avec eux montrer un signe de mécontentement avec cet état de choses. Maintenant, cela ne veut pas dire que nous ne souhaitons pas que l'objectif que le chef de l'État a fixé à l'état de siège, qui est de rétablir la sécurité et la paix, ne soit pas atteint. C'est ce que nous souhaitons. Mais bien sûr, il était important de pouvoir en tout cas poser les problématiques actuelles qui se passent dans la mise en place de cet état de siège. En accordant une oreille attentive aux préoccupations de ses élus, le chef de l'État a démontré une fois de plus sa détermination à rétablir la sécurité et la paix dans ces deux parties du pays. Et c'est ce que reconnaît le porte-parole de député Mwanza Amisi Singoma. Ce soir, en tout cas, le chef de l'État nous a rassurés que ces préoccupations qui sont les nôtres sont les siennes. Et que sans dévoiler des secrets d'État, en tout cas dans les semaines à venir, mois à venir, nous allons travailler dans cette démarche de résoudre ces problématiques qui ont été couchées, notamment dans les recommandations qui avaient été faites dans la commission défense et sécurité. Nous avons pu aussi présenter d'autres recommandations, notamment sur le plan des opérations militaires. Et je pense que là aussi, des décisions seront prises. À la question de savoir si, à l'issue de cette rencontre, les élus du Nord Kivu et des Lituri reprendront leur place dans l'hémicycle pour statuer sur les prochaines prolongations de l'état de siège, le porte-parole des députés est resté un tout peu évasif. Le chef de l'État nous a écoutés. Il a le même entendement que le nôtre. Je pense que maintenant, vous verrez à la prochaine prorogation sûrement le comportement que nous avons comme élus, mais je peux vous dire qu'à ce stade-ci, nous sommes quand même satisfaits de ce qui a été dit. Il faut rappeler que c'est le même mercredi que l'Assemblée nationale a voté la 12e prorogation de l'état de siège dans les Nord Kivu et dans l'Ituri. C'est ce jeudi que le Premier ministre était face aux élus nationaux pour répondre aux préoccupations qui lui ont été soumises sur le projet de loi des finances exercice 2022 qui a été jugé recevable par les élus du peuple. Devant la représentation nationale, Jean-Michel Samaloukondé a confirmé le caractère irrévocable de la gratuité de l'enseignement primaire, une occasion pour lui d'annoncer l'accroissement de l'ordre de plus de 9% par rapport à 2021 dans le seul secteur de l'éducation. Le secteur de défense et la sécurité ont aussi connu un accroissement budgétaire. Sylvie Mwimbo et Bernard Baudou pour le reportage. Projet de loi des finances historiquement élevé qui ouvre la voie à une nouvelle dynamique.
Le débat général sur le projet de loi des finances exercice 2022 présenté par le Premier ministre à l'Assemblée nationale est clos. Sous la houlette du président Christophe Mbosoko Diapwanga, le chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kyenge a rencontré toutes les préoccupations soulevées par les élus du peuple en le regroupant en 7 chapitres. La préoccupation d'ordre général, la préoccupation liée aux allocations, à la sécurité, à l'ordre public et l'ordre social, la préoccupation liée aux investissements et au secteur productif, la préoccupation liée à la décentralisation budgétaire ainsi qu'au processus électoral. Au-delà de toutes ces préoccupations, les soucis qu'anime le gouvernement de la République est d'impulser le décollage de la République démocratique du Congo à partir de la base. La gratuité de l'enseignement, l'amélioration des sociétés des Congolais, le retour de la paix dans la partie est du pays, le recensement de la population pour un bon processus électoral figurent parmi les priorités du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Avec les 10 milliards de dollars américains prévus dans le budget national, le gouvernement augmentera 2 milliards de plus pour les provinces. Mes pensées sont encore une fois orientées vers des millions de Congolais dans bien des coins de notre vaste territoire qui ont perdu tout espoir de voir à nouveau l'État leur tendre la main. Je pense à tous ces jeunes universitaires ou non, empêtrés dans le chômage et qui s'interrogent sans un brin de réponse sur leur avenir. Je pense à nos enseignants, nos soignants, nos militaires, nos policiers, nos fonctionnaires et à toutes les autres catégories d'agents publics ou privés qui espèrent tous les jours voir l'État s'occuper davantage de leur carrière et de leurs conditions sociales. Je voudrais leur dire que l'État est conscient de leurs peines et de leurs attentes. J'aimerais leur réaffirmer combien le gouvernement que je dirige est déterminé à prendre à bras le corps tous ces problèmes et y apporter progressivement des solutions satisfaisantes. Une chose est sûre, l'inertie, l'inaction ou encore la résignation ne seront nullement tolérées dans le nouveau narratif que nous essayons de mettre en place. À l'unanimité, la représentation nationale a déclaré recevable le projet de loi des finances exercice 2022. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable le projet de loi des finances de l'exercice 2022. Nous l'envoyons pour un examen approfondi à la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire. Nous accordons un délai de 15 jours à cette commission en vue de réaliser le travail à lui confier et d'en déposer les rapports au bureau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, en tant qu'autorité budgétaire, va s'y pencher froidement sur les textes et il reviendra en plénière pour son adoption. Et en réaction, les députés nationaux saluent la recevabilité de ce projet de loi des finances exercice 2022. Suivez ces réactions. Ce gouvernement qui a fait ses preuves à travers son ministère de finances, qui a réussi à mobiliser près de 1 milliard de dollars de recettes, mérite notre confiance. Et déjà, le nombre des investisseurs étrangers a augmenté et la RDC est devenue attractive. Tous les fondamentaux économiques sont réunis. Pour moi, ils ont mérité à ce que nous puissions adopter leur budget, ça veut dire leur projet de budget, qui est notre budget de la République. Merci. Jeudi au sommaire, le Sénat a adopté en seconde lecture la loi portant prorogation de l'état de siège décrété par le chef de l'État dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Après débat, ce projet de loi a été voté, ce conformément à l'article 113 du règlement intérieur du Sénat. Juste après, Modeste Bahati a clôturé les travaux du premier congrès Sénat, président des assemblées provinciales. Edith Chala. 87 voix pour, 3 voix contre, 1 abstention, le Sénat a voté en seconde lecture, pour la deuxième fois consécutive, l'autorisation de la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. C'était au cours d'une plénière présidée par le speaker de la Chambre haute du Parlement,
Modeste Bahati-Lukwebo, plénière à laquelle ont participé les présidents des assemblées provinciales en séjour à Kinshasa pour prendre part au premier congrès Sénat président des assemblées provinciales. Tout de suite après, Modeste Bahati-Lukwebo a procédé à la clôture de ce premier congrès, forum qui a débouché sur la mise en place d'un cadre de dialogue entre le Sénat et les présidents des assemblées provinciales, comme cela est inscrit aux articles 10 et 220 de son règlement intérieur. La résolution y afférente a été votée à l'unanimité par la plénière. Ce cadre a, entre autres missions, œuvré en faveur d'une collaboration efficace et apaisée entre les institutions provinciales, contribué à la consolidation de la cohésion provinciale, ainsi qu'à la stabilité institutionnelle, comme contenu dans la déclaration finale. Le cadre de dialogue et de concertation, notamment pour mission 2, établir et formaliser un rapport interactif entre le Sénat et les assemblées provinciales. Informer le Sénat sur toute question touchant le province et les territoires décentralisés, ainsi que celle relative au processus de décentralisation. Les participants venus des organes délibérants de 26 provinces de la RDC ont reçu les brevets des participations dûment signés par le président du Sénat, Modeste Bahati. Ces assises inédites ont été organisées avec l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le Développement PNUD. Désormais, ce cadre de dialogue institutionnel se tiendra une ou deux fois par an. Le budget 2022 devra prendre en compte quelques aspects liés à la croissance du budget alloué à la recherche scientifique pour atteindre le seuil de 1%. Le ministre de la Recherche scientifique a, pour ce faire, réfléchi avec quelques députés nationaux sur les grandes orientations du budget 2022 pour atteindre le développement du pays. Un reportage de Marie Calongue. 41,8% c'est le taux d'accroissement du budget 2022 de la République démocratique du Congo, estimé à hauteur de plus de 200 000 milliards de francs congolais, soit 9,8 milliards de dollars américains. Et les ministères de la recherche scientifique et innovation technologique et celui du développement rural, tous issus du regroupement politique ADRP, Alliance des démocrates pour le renouveau et le progrès, membres de l'Union sacrée, désirent avoir une part considérable pour mener au mieux les tâches de développement du pays. Réunis autour du président de ce regroupement politique, ministre d'État, ministre du Développement Rural, François Rubota Masumbuko, le ministre des Recherches Scientifiques et Innovations Technologiques, José Mpanda Kabangu, et les députés nationaux de l'ADRP ont analysé les grandes orientations du budget 2022. Il a fallu, avant qu'on discute de ce budget, que les députés de l'ADP puissent analyser les grandes orientations par rapport au ministère qu'ils ont dans ce gouvernement. La recherche scientifique, il y a des stations un peu partout, nous avons l'INERA, nous avons des stations qui interviennent un peu dans le cadre de développement de la recherche scientifique, parce qu'il n'y a pas de développement sans recherche. Et le ministère du développement rural qui doit porter les projets phares de développement des 145 territoires que le gouvernement a mis sur pied, et nous pensons que nous devons avoir quand même une part de lion par rapport à ces ministères-là. José Mpanda Kabangu se bat pour accroître le budget de la recherche scientifique et innovation technologique afin de répondre à la recommandation selon laquelle le budget de la recherche représente au moins 1% du produit intérieur brut. Et puis les travaux de validation du plan stratégique actualisé de la réforme des finances publiques s'est clôturé hier, mercredi, ici à Kinshasa, à l'issue duquel la RDC vient de se doter d'un système de gouvernance économique capable de répondre aux besoins de l'émergence du pays. Un reportage de Ricky Nzuzi et Hermé Mangando. La gouvernance économique en République démocratique du Congo bénéficie désormais d'un nouveau plan stratégique actualisé pour la réforme des finances publiques 2022-2028. Ce document, validé sous la coordination technique du COREF avec l'appui financier de l'Union européenne, après deux jours d'intenses travaux, met en évidence l'accroissement des recettes intérieures, la numérisation du système de gestion des finances publiques avec la maîtrise des risques et la participation liée à la gestion des politiques publiques ainsi que la transparence pour l'accès public à l'information budgétaire et le contrôle citoyen. En suivant hier les principales conclusions de l'évaluation de la performance de la gestion des finances publiques selon la méthodologie PEFA réalisée en 2019, nous avons noté que le système de gestion des finances publiques
présente encore des faiblesses qui doivent motiver la prise des décisions sur les actions urgentes à entreprendre pour la conduite des réformes majeures et parfois audacieuses. Pour le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji Sangara, qui a clôturé les travaux à la place du ministre des Finances empêché, cette mobilisation des partenaires techniques et financiers doit être saluée à juste titre et reste une contribution satisfaisante à la réussite des différentes réformes comprises dans le 8 axes du nouveau plan. Fin de la mission de vulgarisation et de sensibilisation sur la loi de la sous-traitance dans le secteur privé. Avant de regagner la capitale, Estache Mohanzi, ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, a procédé dans la province du Katanga à l'inauguration de la direction provinciale de l'autorité de régulation de la sous-traitance de la dite province. Mireille Ndeke pour le reportage. C'est dans le souci de rapprocher son administration de PME et de mieux s'imprégner de réalités qui se posent sur terrain dans le secteur de la sous-traitance que l'ARSP se déploie à travers les provinces. L'installation de la direction provinciale de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé dans le Haut-Katanga vient répondre à plusieurs attentes de parties prenantes concernées par les 10 secteurs. Le directeur provincial de l'ARSP, Gérard Bizungu, qui vient de prendre nouvellement ses fonctions, a promis de pérenniser les échanges constructifs nécessaires avec toutes les parties prenantes pour relever les défis de l'émergence d'une classe moyenne dans le Haut-Katanga. La mise en œuvre de la loi 17/001 du 8 février 2017, fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé, suscite beaucoup d'attentes au niveau de la province du Haut-Katanga. Le directeur général de l'ARSP, Kalech Ahmed, qui croit à cet objectif, a exhorté la direction provinciale à poursuivre la campagne de vulgarisation et de sensibilisation sur la loi numéro 17/001 relative à la sous-traitance dans le secteur privé afin de la faire mieux connaître et la faire mieux respecter. L'installation officielle à Lubumbashi de la direction provinciale de l'ARSP et de son responsable constitue donc la deuxième étape d'un long processus planifié qui vient de se matérialiser. Le ministre d'État a procédé à la coupure du ruban symbolique pour la circonstance. Il a ainsi insisté sur l'application de cette loi qui offre des opportunités de croissance au bénéfice des entrepreneurs locaux et nationaux. Les directeurs provinciaux de l'ARSP du Haut-Katanga s'engagent à jouer le rôle des catalyseurs dans cette transformation en autant d'opportunités pour tous les sous-traitants du Haut-Katanga. En Afrique du Sud, où elle séjourne, la ministre du portefeuille a réuni autour d'elle les experts de la RDC et ceux de l'Afrique du Sud. Les échanges ont tourné sur le système de transactions bancaires. Un reportage de nos envoyés spéciaux, Angèle Mabiala et Elie Ntumba. Les experts de la CADECO qui ont effectué les déplacements de l'Afrique du Sud ont eu une séance de travail avec le Sud-Africain sous la nouvelle organisation de la CADECO. La nouvelle CADECO devra être en mesure de servir les clients dans la durée, dans le coin et les recoins de la République démocratique du Congo. Un système flexible sera conçu afin d'offrir un modèle transparent en forme de coût. Les clients sont divers certes, mais ils vont être servis en temps réel. Nous allons implémenter bientôt un système qui tienne compte de différentes réalités du pays, parce que le partenaire avec lequel nous sommes en train de discuter a des solutions pour les banques traditionnelles et les banques qui sont digitalisées. L'assureur national qui est la SONAS dit prendre des mesures adéquates pour que la CADECO rénovée puisse mieux protéger ses clients. L'ensemble des travaux qui se font pour cette relance ressort les risques assurables que la SONAS devra couvrir du côté de l'investisseur, ainsi que les risques qui vont se présenter du côté de la CADECO bénéficiaire de l'investissement. La CADECO devra fournir de gros efforts pour signer son intégration à la chambre des compensations de la Banque centrale, a exigé la ministre d'État en charge du portefeuille, la princesse Adèle Kaïndamaïna. La CADECO doit entrer dans la performance, dans la règle de l'art et dans la meilleure sécurité qui soit, a dit la princesse Adèle Kaïnda aux experts sud-africains et congolais. Depuis Germiston, à l'est de Johannesburg, Elie Toumba et Angèle Mabiala-Landou pour la radio-télévision nationale congolaise.
Merci Angèle Mabiala et surtout passez un bon séjour. Et puis le président de la centrale électorale s'est entretenu avec le représentant Pays-Bas de l'IFES, Denis Kadima, et Sila Mungata ont évalué le mécanisme de poursuite du partenariat entre ces deux institutions d'appui à la démocratie, Teti Samba et Hervé Poudi, pour le reportage. Le nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante multiplie depuis son installation un balai diplomatique pour mener à bon port le bateau des élections. Ce jeudi 18 novembre 2021, Denis Kadima Kazadi a échangé avec une délégation de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES, conduite par son représentant pays, Muntaga Sila. Plusieurs questions d'actualité ont été passées en revue, notamment la continuité et l'évaluation des possibilités de la collaboration entre la CENI et l'AFS. Je représente l'AFS actuellement à RDC dans le cadre d'un projet qui est financé par l'USAID, un projet d'intégrité des activités électorales. Donc il était important pour cette prise de fonction de venir rendre visite, une visite de courtoisie d'abord, parce que je suis tout nouveau. Et aussi évaluer aussi les possibilités de collaboration avec la CENI dans le cadre d'une participation au processus électoral et par l'implication aussi de tous les acteurs électoraux afin d'aller dans un processus apaisé et d'inclusion de tous les parties prenantes dans le processus électoral. Créée en 1987 et présente en République démocratique du Congo depuis 1998, l'AFS offre un soutien indéfectible au processus électoral en RDC. Cette ONG internationale fournit une expertise d'assistance technique aux organes de gestion électorale et intervient aussi dans la prévention et la gestion des conflits post-électoraux. Dans le cadre de la conférence de la COP26 qui se tient à Glasgow, la vice-première ministre en charge de l'environnement et du développement durable a participé à l'Assemblée générale au bâtiment du ministère de l'Intérieur pendant 2 jours. Les participants ont échangé autour des objectifs du développement durable de la République démocratique du Congo. C'était par visioconférence un reportage de Kinanga Musashi. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable de la RDC, présente à ses assises de Glasgow par la personne de Madame la vice-première ministre Eve Bazaïba, a continué malgré la distance à travailler en synergie avec les autres structures restées au pays. Le réseau des femmes d'Afrique francophone pour l'atteinte de ses objectifs de développement durable. Ses mandataires étaient en vidéoconférence avec Madame la vice-première ministre pour confirmer le partenariat existant entre eux afin de se fixer le cap de nouveaux challenges. Les objectifs de développement durable restent un challenge et au niveau de notre pays, au niveau continental, au niveau mondial. Vous avez compris que nous avons les mêmes défis dans tous les pays. Mais est-il que la volonté et la détermination ne sont pas les mêmes? La conférence a tourné autour de la bonne gouvernance. Ce qui nous a pu s'intéresser, c'est que notre pays a été plébiscité comme un pays solution par rapport à l'environnement. Le conseil du chef de l'État au collège du bureau conjoint a fait le déplacement du Bandundu, ville-province du Kwilu. Joseph Moké a sensibilisé la population sur le bien fondé de la vision du chef de l'État pour le développement de cette partie du pays. Jacques Kaboua pour le reportage. À Bandundu, ville chef lieu de la province de Kwilu, où il a séjourné dernièrement, dans le cadre de la pérennisation de la vision du développement du chef de l'État dans cette partie du territoire national, le conseiller du chef de l'État au collège du bureau conjoint, Joseph Moketawaba, a été accueilli par une foule en liesse. Le constat est sans équivoque, car cette visite politique était très bénéfique et riche d'enseignements. À Bandundu, la population s'est dit prête à accompagner la vision politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo, piloté par le premier ministre et chef du gouvernement, Samalou Koundé. Les garants de lancement envoyés à la chasse, et la première dame, Maman Denise Nakeru, pour attraper un gibier.
Et celui le gibier est d'intérêt général et non le contraire. Le bandundu, ce que je devinais, c'est auparavant où les gens disaient le bandundu c'est dans l'opposition. Nous nous disons non, ce temps est déjà aboli, c'est le temps des fachis. La population qui demande vraiment au regard de l'intérêt général, le chef de l'État est ma très chère première dame Mama Denise Nakeru, digne descente ardemment à Bandundu ville natale, voir tout ce qui se passe. Bandundu invariable. La population déplore et demande la visibilité et la présence de notre garant, l'excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Tout Bandundu ville a apprécié les messages du conseiller Moketawaba et a promis son accompagnement de cette vision du garant de la nation d'un Congo fort, debout et prospère. Suivez à présent les activités du conseil du chef de l'État dans la province du Kassai. Les premières lignes seront formées pendant 3 jours sur les formes et préventions à prendre quant à la lutte contre la traite des personnes au Kassai central. Parmi eux, nous pouvons citer les magistrats, les avocats, les inspecteurs du travail ainsi que les assistants sociaux œuvrant dans la province. Madame Antoinette Dikukayoa explique ici les mobiles et missions de l'agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes avant d'interpeller les parents et différentes structures de la société civile à une responsabilité ferme. La mission principale de l'agence, c'est assurer la coordination de toutes les activités de lutte contre la traite des personnes. Vous savez ici, on a organisé un séminaire sur la traite qui regroupe plusieurs personnes qu'on appelle les intervenants de première ligne, les avocats, les magistrats, les assistants sociaux, les agents qui travaillent aux frontières, à la AMR, etc. Parce que toutes ces personnes, dans la sphère de leurs activités, sont confrontées à ce problème. Et avant ces explications de la chargée d'études, un aperçu général a été donné par un expert tout en précisant que la traite des personnes constitue une violation grave des droits humains. Il faut signaler que parmi les formes données dans cette session initiale, nous pouvons citer encore la vente et le trafic des enfants, le trafic d'organes ainsi que les mariages précoces. Et puis les pays africains célèbrent la journée africaine de la statistique. Cette journée a pour but de sensibiliser le public sur l'importance de la statistique dans le développement économique et social du continent. Les arts, la culture et le patrimoine, levier pour l'édification de l'Afrique que nous voulons, c'est le thème retenu pour cette année. À ce sujet, le vice-ministre du Plan a adressé un message à ses compatriotes. Suivez. Chers compatriotes, j'ai l'insigne honneur d'adresser en ce jour des célébrations de la Journée africaine de la statistique un message à la nation au nom du ministre d'État, ministre du Plan. Avant de commencer mon propos, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à l'Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, de ce qui ne ménage aucun effort dans la prise de mesures idoines qui permettent de rendre efficaces les systèmes statistiques nationaux. C'est également l'occasion pour moi d'adresser mes sincères et chaleureux remerciements à son Excellence Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, chef du gouvernement, qui traduit avec efficacité la vision du Président de la République dans cette matière statistique ancrée dans le programme du gouvernement. Cette journée est aussi l'occasion de passer en revue les multiples avancées et défis à relever dans les domaines du renforcement du système national des statistiques. Le gouvernement de la République s'est engagé fermement à réaliser dès l'année prochaine le deuxième recensement général de la population et de l'habitat, RGPH 2 en sigle, afin de doter les pays des statistiques démographiques, socio-économiques, complètes et à jour. Un pays sans statistiques et données démographiques fiables ne peut prétendre à un développement durable. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la Journée africaine de la statistique. Je vous remercie.
Le directeur général intérimaire de l'entreprise Transco tient à l'amélioration des conditions de travail de ses agents et cadres. Il vient de doter des kits de travail qui vont permettre aux agents un bon rendement des travailleurs sur le terrain. Susan Goy. Le transport en commun, l'un des secteurs métronomes de la société, serait un levier important du développement à condition que l'État apporte son soutien dans la régulation et dans l'investissement. L'entreprise Transco reste à ce jour l'unique symbole de cette volonté affichée pour résoudre l'épineuse question de l'amélioration des conditions de transport en commun. Son directeur général intérimaire, Chief Chipamba Ngambamalu, a fait la ronde de plusieurs terminus pour remettre officiellement des outils de travail nécessaires pour améliorer les conditions de travail des agents sur terrain, surtout en cette période pluvieuse. Aujourd'hui, pour améliorer les conditions de travail de mes agents qui sont dans le réseau, nous sommes pendant la saison pluvieuse et mes agents dans le réseau rencontrent beaucoup de difficultés pour accomplir leurs tâches. Avec le moyen de bord, on a dû réunir des imperméables, tables de chaises, parasols également, pour mettre à leur disposition. Et cela va leur permettre d'être plus endurants dans le réseau et nous rapporter les résultats escomptés. Voilà pourquoi on est descendu nous-mêmes pour nous assurer que chacun d'eux est servi. Pour cette première étape, Chief Chipamba s'est rendu au terminus de la place des Évolués, la gare centrale, l'ex-Mamayemo, pour terminer à Gambela. Le directeur général intérimaire de Transco va poursuivre cette ronde à travers la capitale. Plus de 1000 étudiants gradués et licenciés de différentes filières de l'Institut supérieur de programmation et d'analyse viennent d'être déversés sur le marché de l'emploi, cela à l'issue de la cérémonie de collation des grades académiques 2020-2021 qui a eu lieu au siège même de cette institution dans la commune de Lingwala. Francine Atumissi et Junior Lui. C'est sous une pluie battante que 1170 lauréats de l'Institut supérieur d'informatique, de programmation et d'analyse ISIPA se sont vus décerner leurs titres de graduat et de licence à l'occasion de la cérémonie de collation des grades académiques. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette manifestation qui marquait la clôture de l'année académique 2020-2021 et l'ouverture de l'année académique 2021-2022. Séance tenante, le secrétaire académique administratif Jean-David Okolobalabor a fait savoir à l'assistance que c'est dans une note de satisfaction que s'est achevée cette année académique. Non, on a clôturé l'année dans le contexte d'excellence et d'efforts fournis, puisque aujourd'hui nous avons récolté les efforts que nous avons semés dès le début de l'année. Pas que nous, les étudiants également, puisque c'est eux qui sont les principaux acteurs. La relève est bien assurée aujourd'hui avec Mme Rifine Louyeye Ekanda à la tête de l'ISIPA, qui milite pour la formation de qualité dispensée aux récipiendaires qui a toujours caractérisé l'ISIPA depuis sa création. ISIPA continuera à faire flotter les drapeaux de la RDC partout dans le monde. L'ISIPA organise les tests d'admission pour les diplômés ayant obtenu moins de 60% à l'examen d'État ce samedi 20 novembre 2021 à 8h sur ses sites de Chaoumba et Matete. Décédé le 3 novembre dernier, le directeur Jules Lombo sera mis en terre demain vendredi. La rédaction de la RTNC a tracé un portrait sur cet homme, un grand présentateur du journal télévisé ici à la RTNC. Pour ses confrères, Jules était un journaliste très engagé. La rédaction vient de perdre une plume de la presse congolaise. Cédric Kenina. Mourir en combattant, c'est la mort détruisant la mort. Mourir en tremblant, c'est payer servilement à la mort les tributs de sa vie. Jules Lombo Kashita a accompli la première assertion, celle d'une mort qui détruit une mort. Ce dernier est décédé dans la soirée du 3 novembre, après avoir pris part au travail quotidien de journaliste. Et rien alors ne présageait son départ, malgré la convalescence visible qui pesait sur ses épaules, qui on s'est rendu par la suite s'est caché derrière un sourire habituel et l'humour traditionnel de ces chevaliers de la plume et du micro. Jules Lombo, cet homme au teint clair, est le fils de Michel Lombo et Boulantseke Albertine. Il commence l'écriture de sa vie le 23 mai 1959. Ses études dans le Kwilu, l'ancienne province du Bandundu,
d'où il tire d'ailleurs ses origines. Passionné de la littérature, il fait ses études secondaires au collège Indombo d'Ekikwit. De fil en aiguille, il atterrit à Kinshasa pour poursuivre ses études universitaires à l'ISTI, actuel IFASIC, en 1992, pour débuter sa carrière par la suite à la RTNC, aux RT de l'époque, où il a passé pratiquement toute sa vie professionnelle. Jules Lombo a été pendant très longtemps présentateur vedette du journal des 23 heures. Il gravit très vite les échelons pour occuper finalement la fonction de sous-directeur de Desk Info TV. La mort, l'horreur absolue de la non-existence, la mort ne rentre dans aucun schéma, il n'y a pas d'explication à la mort. Elle entre, elle vous arrête au milieu d'une phrase, non, c'est fini, et claque la porte. Et que son âme repose en paix. Et puis, ce communiqué nécrologique, la famille Mukandila a la profonde douleur d'annoncer aux amis, frères et connaissances la mort inopinée de leur père, oncle et grand-père Mukandila Moji Moulé Albert, décès survenu le 12 novembre 2021 à Kinshasa. En attendant son inhumation, le deuil se tient à sa résidence située au numéro 1 de l'avenue Indondo, quartier Terre Jaune, Passa 1, dans la commune de Lancélé. Pour plus de détails, appelez au numéro 09 90 52 28 81. C'est un communiqué signé par la famille. Et puis ce communiqué de la Régie des Eaux pour boucler ce journal, la Régie des Eaux SA, direction provinciale de Kinshasa, informe ses abonnés des parties centre-sud-est de la ville de suite aux travaux de réparation des fuites sur la DN 1200 au niveau de l'échangeur de Limété et pour Matété, son usine de traitement d'eau de Ndjili sera en arrêt ce samedi 20 novembre 2021 à partir de 8h jusqu'à la fin des travaux. Par conséquent, des manques d'eau seront observés dans la fourniture d'eau dans les communes et quartiers ci-après. Aéroport de Ndjili, Massina, Ndjili, Kimbaseke, Kisenso, Matete, Limete, Lemba, Ngaba, Makala, Unikin, Kindele, Selembao, Bumbu, Mongafula, commune de Ngiringiri, Kalamu, Kasavubu, Kinshasa et Gombe. La Régie des Eaux SA prie les abonnés concernés de bien vouloir se constituer des réserves d'eau et de l'excuser pour ce désagrément. Elle les rassure du rétablissement de la desserte dès la fin des travaux. C'est un communiqué signé par le directeur provincial de Kinshasa, Jean Bosco Mwaka Indélé. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Ce journal a connu le concours rédactionnel de Diane Balaka, 23h. Serge Mata revient sur ce plateau pour une autre édition d'information. Moi, je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.